Bonjour à tous, c'est Monsieur Montana. Bon, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter les deux coffres du jour. Bon, comme d'habitude, il y en a un en mer et un sur terre. Bon, aujourd'hui, ils sont assez faciles à trouver. Les deux sont juste à côté de l'aéroport, donc c'est plutôt simple. Donc voilà, le premier est en mer, juste à côté, mais alors juste à côté de l'aéroport. Voilà, donc aujourd'hui, ils sont assez faciles à trouver, ils sont pas trop durs. Voilà, le premier est en mer, et en mer, bon bah comme d'habitude il est un peu plus dur à trouver, mais franchement ça va. En plus il est pas très loin de l'aéroport, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, comme d'habitude, voilà, je fais un petit tour d'horizon, surtout pour celui qui est en mer, parce qu'il est un peu galère à trouver. Donc voilà, là je sais pas si on le voit vraiment bien, mais il est pile poil sur le petit truc de sable qui est juste ici. Voilà, on voit, il y a ma tête qui est juste au il est juste au-dessus de ma tête. À côté, il y a une espèce de pierre chelou et juste à droite, vous avez des petits trucs violets, on dirait des sortes d'anémones ou je sais pas trop quoi là. Enfin, c'est pas des anémones, mais des algues vertes, on va dire. Voilà. Donc après, bon bah voilà, c'est un moyen comme un autre de pouvoir le repérer plus facilement, hein, entre guillemets, facilement. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le coffre en mer. Il est jamais très évident de le trouver, mais bon, je compte sur vous. Et celui qui est sur Terre, bon bah voilà, sans surprise, il est très facile. Quelques zooms et des zooms, histoire de bien montrer l'endroit où est le coffre. Donc voilà, et puis comme d'habitude, à la fin de la vidéo, vous avez deux screens en image fixe pour pouvoir les repérer plus facilement. Voilà. Donc voilà pour les deux coffres. Celui qui est sur Terre, comme d'habitude, ultra simple. Quand on connaît l'endroit, c'est ultra simple. Un petit tour d'horizon, histoire de bien voir l'endroit. C'est à côté du bâtiment, là où il y a une vieille voiture abandonnée. Où il y a une espèce de deux palmiers ou deux cocotiers, je fais jamais la différence. Et là, bah voilà, vous avez le coffre. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like ou un commentaire. Quoi qu'il en soit, merci à vous et bon game. Allez, salut!